Bonjour, je m'appelle Eugène Pain. Je suis actuellement en GI4 à l'UTC, en filière INES. J'ai rejoint le parcours musique depuis ce semestre, le semestre donc P22. Je fais du violoncelle depuis une douzaine d'années. J'ai commencé le violoncelle donc dans ma ville natale. Et quand j'ai rejoint l'UTC en ANA18, déjà l'UTC est un choix pour moi, pour mes études, car je ne souhaitais pas arrêter l'instrument. Dans mon choix de scolarité, dans mon parcours étudiant, j'avais décidé de ne pas faire de prépa, car je savais qu'en classe préparatoire, j'aurais dû sûrement arrêter la musique, peut-être arrêter le violoncelle. Pourquoi j'ai rejoint l'UTC, ça a été de continuer la musique. Et en effet, depuis que j'ai rejoint l'UTC, je n'ai jamais fait autant de musique qu'auparavant, car l'UTC m'a permis de m'épanouir dans ma pratique musicale. Quand je suis arrivé à l'UTC en A18, j'ai directement commencé à faire l'UVMU2. Donc l'UVMU2 m'a permis d'avoir une pratique instrumentale au violoncelle, d'avoir des cours de violoncelle au conservatoire de Compiègne. Et ça m'a permis donc de continuer à m'améliorer dans ma pratique instrumentale. Par la suite, j'ai fait également l'UVMU3, l'UV jazz et musique contemporaine, qui m'a permis donc aussi de développer de nouveaux styles de musique. C'est vrai qu'avant d'arriver à l'UTC, j'étais plutôt spécialisé en musique classique parce que dans mon ancien conservatoire, je ne développais pas trop de styles de musique différents. Également au conservatoire de musique de Compiègne, on développe plutôt des musiques classiques, romantiques, mais assez peu de musique jazz. Donc j'étais plutôt content de trouver ce type d'enseignement. Au niveau de la pratique instrumentale, c'est vrai que à l'UTC, il y a beaucoup d'associations de musique, il y a beaucoup d'UV musical, il y a également le conservatoire de Compiègne, mais également beaucoup d'étudiants qui sont musiciens. C'est grâce à l'UVMU3 aussi que j'ai pu rencontrer, ou même l'UVMU2, où j'ai pu rencontrer des personnes avec qui j'ai gardé contact, avec qui je fais de la musique de temps en temps. Également, il y a des associations, Stravaganza, la comédie musicale, l'Arsène. Et donc, je pense que tout musicien, quel que soit son niveau, aura sa place au sein de l'UTC. Même des personnes qui aiment bien composer, qui aiment bien arranger des morceaux. Par exemple, à Stravaganza, les musiciens amateurs ont aussi la possibilité d'arranger des morceaux pour cet orchestre étudiant. Stravaganza est l'orchestre étudiant de l'UTC. À la comédie musicale, c'est une comédie musicale de l'UTC, faite entièrement par des étudiants, mais les morceaux sont également composés par les étudiants. Si vous aimez bien la composition, si vous aimez bien l'arrangement, vous pourrez trouver votre place ici à l'UTC.